Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre nouvelle émission qui s'intitule « La jurisprudence islamique ». Cette émission a pour but d'expliquer la fiqh et de traiter plusieurs des questions relatives à la fiqh. Et pour nous éclaircir aujourd'hui, il y a Moulabi Nour Mohamed Turab Ali Saheb et Moulabi Shamim Jamal Ahmed Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour introduire ce sujet, c'est important de savoir tout d'abord c'est quoi la fiqh. Nour Saheb, pouvez-vous nous éclaircir à ce sujet? A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. La signification de fiqa ou la fiqh est la théorie ou la philosophie des enseignements et de la loi islamique qui est basée principalement sur les enseignements coraniques, la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est connu comme le sunna et les traditions du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les ahadiths. Et là, dans les cas où certains détails ne sont pas disponibles dans ces trois sources, les décisions des khulafa et rachidines, c'est-à-dire les califes, les quatre califes bien guidés après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, leurs décisions sont prises. Jazakallah Nour Saheb. Et bien sûr, en ce qui concerne l'adoration, il y en a plusieurs formes d'adoration. Et la plus haute forme d'adoration, c'est bien la salat. Shamim Saheb, quelles sont les conditions à respecter pour observer la salat? Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, il faut savoir que dans le Saint-Coran et les hadiths, il n'y a pas de conditions définies qui ont été mentionnées pour l'observance de la salat. Mais néanmoins, à la lumière des enseignements coraniques concernant la salat, les juristes, les fuqaha, ont énoncé quelques conditions pour l'observance de la salat afin de faciliter la compréhension pour les musulmans et aussi afin de créer une discipline, une cohésion dans l'observance de cette forme d'adoration. Et ces conditions sont cinq. Premièrement, l'heure. Comme nous le savons tous, il y a des heures prescrites pour l'observance de la salat. Deuxièmement, la propreté, c'est-à-dire avant d'offrir la salat, le fidèle doit se purifier physiquement. Troisièmement, l'habit, on doit porter des habits convenables pour offrir la salat. Et quatrième, le qibla, c'est-à-dire on doit faire face à la Kaaba qui se trouve à la Mecque afin de prier. Et en dernier lieu, il y a ce qu'on appelle le niyya, c'est-à-dire l'intention. Quand le fidèle se met debout pour offrir la salat, il doit avoir en tête la salat qu'il veut offrir et le nombre de rakat qu'il veut offrir. Donc voici en bref les cinq conditions qui ont été mentionnées par les juristes, par les fuqaha pour l'observance de la salat. Et si une de ces conditions n'est pas respectée intentionnellement, la salat ne sera pas valide. Jazakallah, vous avez mentionné cinq conditions pour observer la salat. Et la première, c'est bien les heures prescrites qu'il y a pour observer la salat. Durant cette première mission, la première condition que nous allons traiter sont les heures prescrites pour observer la salat. Et je vais demander à Nour Saheb, pouvez-vous nous donner plus de détails sur ces heures prescrites? Concernant les salats obligatoires, telles que la salat de Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib et Isha, d'après à la lueur des enseignements coraniques et la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut résumer que la salat de Fajr, le moment pour offrir à la salat de Fajr commence du moment où l'obscurité de la nuit commence à disparaître, c'est-à-dire les premiers rayons du soleil va commencer à être apparent dans la nuit. Et le moment pour offrir la salat de Zuhr,
c'est le moment où le soleil commence à se décliner du zénith, c'est-à-dire juste après le moment qui est connu comme midi, le moment où le soleil est juste au-dessus de la tête, là où le soleil va quitter le zénith, et aussi longtemps que l'ombre soit égale à la taille de l'objet, c'est le moment pour offrir la salade de Zuhr. La salade de Asr commence, débute quand l'ombre projetée dépasse le double de la taille de l'objet. Et la salade de Maghrib est offerte immédiatement après le coucher du soleil. Et la salade de Isha commence quand l'obscurité de la nuit commence à prévaloir. Voilà les cinq moments pour offrir les cinq prières quotidiennes. Jazakallah pour nous éclaircir à ce sujet, parce que c'est très important, car même dans le Saint-Coran, il fait mention qu'on doit observer la prière à des heures prescrites. Vous avez fait mention de cinq prières quotidiennes, mais il y a certains qui sont d'avis qu'il n'y a que trois prières quotidiennes. Alors, comment réconcilier cela? La chose importante à garder en vue est que le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été décrit dans le Saint-Coran comme le Uswatun Hasana, c'est-à-dire un exemple parfait pour nous, les musulmans. Et on trouve dans la pratique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait l'habitude d'offrir cinq salats quotidiennement. Comme Murabbi Ahmad Ali a mentionné, il y a des gens qui pensent que le Coran a fait mention de seulement trois salats. Mais on voit dans sa vie, pratiquement, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir cinq salats quotidiennement. Et c'est cela qu'il avait enseigné à ses compagnons. Et cette pratique nous est parvenue de génération en génération. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa pratique était une réflexion des enseignements que Allah Ta'ala lui avait donné dans le Saint-Coran. Et lui-même, il nous a donné cette instruction que sallu kamara aitumuni usalli, qu'il faut prier de la façon où vous me voyez offrir la salat. Et c'est ce qu'on a vu pendant toute sa vie. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a offert cinq prières quotidiennement, Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha, à cinq heures prescrites. Mais, et aussi, ce n'est pas exact de dire que le Saint-Coran ne mentionne pas les cinq heures pour la salat. Hazrat Muslim Mahmoud, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, Razulallah Talanhu, il a expliqué clairement dans son tafsir, le tafsir al-Kabir, que même le Saint-Coran, à plusieurs reprises, a mentionné les cinq heures pour l'observance de la salat. Et il avait mentionné le verset « Aqimis salat liduluk shamsi ila ghasaq al-layli wa Qur'an al-hajj wa Qur'an al-fajr » Huzur a expliqué comment, dans ce verset, uniquement les cinq heures pour l'observance de la salat ont été mentionnées. Huzur explique que le mot « duluk shams » qui est dérivé du mot « dalaka » un mot arabe, a trois significations. Dalaka peut signifier Zalati Shams, comme avait fait mention Maulana Nour, quand le soleil quitte le zénith, le soleil se récline du zénith. Donc ici, bien sûr, référence est faite à l'heure de Zuhr. Et Dalaka peut aussi signifier Safarati Shams, c'est-à-dire le soleil, la couleur du soleil est devenue jaune. Donc ici, bien sûr, c'est l'heure. Il y a une indication vers l'heure de Asr. Et Dalaka peut aussi signifier Gharabati Shams. Le soleil s'est couché. Donc ici, bien sûr, l'heure de Maghrib est mentionnée. Et ensuite, Ghasaq al-Layl. La deuxième partie de ce verset, Ghasaq al-Layl. Ghasaq signifie les premières obscurités de la nuit. Et bien sûr, ici, l'heure de Isha est mentionnée. Et à la fin du verset, Wa Quran al-Fajr. Et Fajr, bien sûr, c'est l'aube, c'est le début de la journée, là où on offre le salat de Fajr. Donc, on peut voir que seulement, dans un seul verset, les cinq différentes horaires ou heures pour l'observance des salats ont été mentionnées dans le Saint-Coran. Jazakallah, donc, il n'y a pas d'échappatoire, il y a cinq prières quotidiennes qu'on doit observer. Et aussi, c'est très important parce que c'est, comme vous avez mentionné, c'est mentionné dans le Saint-Coran, qu'il y a cinq prières quotidiennes. On a mentionné des heures pour observer la salat. Maintenant, est-ce que
il y a des heures où c'est interdit d'observer la prière. Premièrement, de l'azan de Fajr jusqu'au lever du soleil, il y a seulement deux rakat de sunnah et deux rakat de faraz. Ensuite, au moment où le soleil est en train de se lever, il n'y a pas de salat à ce moment. On ne peut même pas commencer la salat de Fajr. Deuxième, quand le soleil est au zénith, c'est-à-dire à midi, il n'y a pas de salat. C'est pour cela qu'on commence la prière de Zohar après que le soleil a quitté le zénith. Ensuite, au moment où le soleil est en train de se coucher, c'est-à-dire pendant le coucher du soleil, il n'y a pas de salat. Et aussi, entre la salat de Asr jusqu'au coucher du soleil, il n'y a pas de salat. Nous avons parlé jusqu'à maintenant des cinq prières quotidiennes. Maintenant, une prière nawafil qui concerne la salat de tahajjud. La question comme suit, à quelle heure peut-on observer la salat de tahajjud? Et aussi, est-il obligatoire de dormir avant d'offrir la salat de tahajjud? Le mot tahajjud, qui est dérivé du mot tahajjada, nous donne une idée à ce propos. Tahajjud signifie se réveiller après le sommeil. Donc, cela nous donne une indication que la salat de tahajjud est une salat qu'on offre d'ordinairement après qu'on s'est endormi pendant quelque temps. En ce qui concerne l'heure pour l'observance de cette salat, c'est une salat nawafil qui n'est pas obligatoire, qui est optionnelle, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir avec régularité. L'heure pour la salat de Isha se termine jusqu'à environ minuit, jusqu'à la moitié de la nuit. Donc, et c'est dans la nature de l'être humain, de l'homme, de partir se coucher à cette heure-ci, avant de se réveiller avant l'aube. Et donc, l'heure pour l'observance de la salat de tahajjud est pendant la dernière partie de la nuit, avant l'heure pour la salat de Fajr. Et on offre la salat de Fajr avant le lever du soleil, comme Noussem a mentionné. Donc, c'est là l'heure pour, après la salat de Isha, l'heure pour la salat de Isha pendant la dernière partie de la nuit, et jusqu'à l'heure, avant l'heure de la salat de Fajr, voici, c'est là l'heure pour offrir la salat de Tahajjud. Mais si quelqu'un n'a pas pu se coucher avant la salat de Tahajjud, par exemple, peut-être il est souffrant ou peut-être il est en voyage ou il est occupé, exceptionnellement, il peut toujours offrir des prières surérogatoires pendant cette partie de la nuit. Ce n'est pas interdit pour lui, même s'il n'a pas pu se coucher. Jazakallah, Shamim Saheb. Tout en parlant de la salat al-tahajjud, il y a une autre question concernant la salat al-tahajjud. Le scénario est comme suit, que si quelqu'un n'a après la salat al-isha, il n'a pas observé ses 8 heures. Donc, il a fait l'intention de l'observer à l'heure de la salat al-tahajjud. C'est d'observer ses 8 heures à l'heure de la salat al-tahajjud. Mais malheureusement, il n'a pas pu offrir ses 8 heures à l'heure de tahajjud. Quand peut-il offrir ses, ou quand doit-il offrir ses salat al-tahajjud? Tout d'abord, nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, comme Shamim Zab a clairement mentionné, que c'est notre devoir de suivre la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'exemple parfait. Donc c'était l'habitude du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de se réveiller pendant la nuit et offrir la salat de tahajjud. Et après la salat de tahajjud, il avait l'habitude d'offrir les trois rakats de 8 heures. Ensuite, il y avait l'azan pour la salat de fajr. Et là, il avait l'habitude d'offrir deux rakats de sunnah, qui est connu comme sunnah. Ensuite, deux rakats de faraz. Ça, c'était la pratique, c'était l'habitude du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le Messie promis, alayhi salatu wasalam, est aussi de cet avis que, entre l'azan de Fajr jusqu'au lever du soleil, il n'y avait pas d'autres salat, excepté les deux sunnah, les deux faraz. Il n'y avait même pas de witr à ce moment précis. Et les fuqaha aussi, ils ont beaucoup discuté à propos de ce sujet, que si quelqu'un a manqué
la salat de 8 heures. Par exemple, il s'est réveillé au moment de la salat de Fajr. Donc, quelques des fuqaha ont même expliqué qu'on peut offrir le 8 heures qu'on a manqué après le lever du soleil. Même pas pendant cette période, mais après le lever du soleil, mais seulement dans le cas où quelqu'un a oublié. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup insisté sur la salat de 8 heures. C'est parmi les wajibat. Et le mieux, c'est de l'offrir après la salat de Isha, avant de s'endormir. Donc pendant ce moment, on peut toujours offrir les 3 rakat. Parce qu'il y a toujours le risque de manquer la prière de tahajjud. Il y a beaucoup parmi les croyants qui paresse ou pour des diverses raisons, ils ne peuvent pas se lever pour la salat de tahajjud. Donc, pour ne pas manquer cette salat de witr, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup insisté que c'est mieux de l'offrir avant de se coucher. Par exemple, dans les ahadiths, c'est mentionné que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu au sujet du temps qu'il offre sa prière de 8 heures. Et là, Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu a répondu que pendant la première partie de la nuit, c'est-à-dire avant de m'endormir, il avait l'habitude d'offrir la salat de 8 heures. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cette même question maintenant à Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu. Et Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu a répondu après le sommeil. C'est-à-dire, il avait l'habitude d'offrir la salat de Isha, de s'endormir, de se lever pour la salat de Tahajjud, ensuite offrir la salat de 8 heures, comme c'était la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une remarque que Abu Bakr est prudent et Umar, il est confiant. Parce que Hazrat Abu Bakr avait l'habitude d'offrir la salat de 8 heures avant de s'endormir. Et Hazrat Umar, il faisait cette même salade, mais après la salade de tahajjud. Donc, c'est ça le moment pour offrir la salade de 8 heures. Et c'est mieux de l'offrir avant de s'endormir. Jazakallah, Nour Sahib. Donc, cet explicateur, comme Nour Sahib nous l'a mentionné, c'est mieux d'être prudent, d'offrir ces 8 heures après la salade de tahajjud, après la salade de Isha. Une autre question, comme nous avons parlé des heures prescrites à observer les prières quotidiennes, les salats qui sont quotidiens, il y a des pays où la journée ou la nuit c'est plus long ou plus court que d'habitude. Alors, par exemple, je veux dire la Norvège, il y a des pays comme ça. Donc, comment décider les heures prescrites pour les prières quotidiennes dans ce cas précis? Comme vous avez mentionné, il y a des pays où la durée du jour ou celle de la nuit n'est pas égale. Il y a des pays où la journée est très longue et d'autres pays où la nuit est très longue. Donc, et comme Noussem a mentionné, on détermine l'heure pour les différentes salats par rapport au soleil, avant le lever du soleil ou après le coucher du soleil, etc. Donc, dans ce cas-là, quoi faire? C'est bon de mentionner que c'est seulement l'islam qui nous a donné une réponse exacte à ce sujet. Les autres religions ne donnent aucune indication, car eux aussi, ils ont diverses formes de ibadat, d'adoration, et eux aussi, ils ont des heures fixées pour l'adoration, mais ils n'ont pas de réponse à ce sujet. Quoi faire pour ces gens? Comment faire pour les gens qui habitent dans ces endroits? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses hadiths, il avait prophétisé qu'à l'époque du Dajjal, c'est-à-dire l'époque que nous vivons actuellement dans les derniers temps, la durée de la nuit serait de 6 mois, et ainsi que celle du jour. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les compagnons ont entendu cela, les compagnons ont demandé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ce cas, comment va-t-on offrir les salats et comment va-t-on jeûner? Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu tout simplement que dans ce cas, faut fixer l'heure pour les prières par rapport aux autres endroits qui ont des heures fixées, qui ont des journées et des nuits qui sont plus ou moins égales. Donc, faut comparer les heures fixées les mêmes dans ces endroits aussi.
Donc ici, il faut faire ressortir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a fait une prophétie que ce n'est qu'à l'époque du Dajjal, c'est-à-dire dans les derniers temps, que les hommes vont faire la découverte de tels endroits qui sont près des pôles, là où les nuits seraient de 6 mois et les jours seraient de 6 mois. Donc ce n'est que dans les derniers temps que les gens ont fait la découverte de ces endroits, de ces pays, et les gens ont commencé à habiter dans ces pays, et ils ont pu... Et cette prophétie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est avérée vraie. Jazakallah, Shamim Saïd. Nous, Saïd, dans le cas où une personne n'a pas observé la salatul Isha, une circonstance où il n'a pas observé la salatul Isha, que doit-on faire? Okay. Pour que, dans le cas où quelqu'un a manqué la salade de Isha, avant d'expliquer cela, on doit réitérer ce que Shemim Saheb a expliqué, que le temps pour offrir la salade de Isha est suffisamment long. C'est-à-dire du début de la nuit jusqu'à environ la moitié de la nuit, qui est environ minuit. Donc il y a suffisamment du temps pour offrir la salade de Isha. Donc, quelles sont les 3 raisons, par exemple, pour que quelqu'un a manqué la salade de Isha? Premièrement, s'il s'est endormi, il a manqué la salade de Isha. Dans ce cas, au moment où il se réveille, il va faire le wazou, l'ablution, et il va offrir la salade de Isha et salade de Witr dans ce cas. Et si quelqu'un a oublié, deuxième scénario, c'est que quelqu'un a oublié, donc au moment où il se souvient qu'il a oublié la salade de Isha, il doit offrir cette salade. Et dans le troisième cas, c'est que quelqu'un intentionnellement a laissé la salade de Isha. Donc, dans ce cas, ça va être entre lui et son créateur, Allah Ta'ala. Donc là, il doit seulement, on peut le dire qu'il doit demander pardon à Allah Ta'ala et faire le istighfar dans ce cas. Je vous en remercie, Jazakallah, Nusayl. C'était la dernière question de cet épisode. Jazakallah, Nour Saheb et Shamim Saheb. Et nous avons eu l'occasion de traiter plusieurs questions, par exemple les prières quotidiennes, les 5 prières quotidiennes, les conditions pour observer la salat, et aussi les heures, quelles sont les heures prescrites pour observer la salat. Je vous en remercie beaucoup et chers spectateurs, Jazakallah pour votre attention et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.